Bonjour à tous et bienvenue en Nurf Aram, encore une fois avec Ezekiel. Alors, première chose, toute première chose, l'Urf a été allongé jusqu'au 13 avril. Du coup, il est possible que dimanche, je ne sais pas du tout le combien on sera, mais il est possible que dimanche j'en fasse. Alors, par contre, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un Xerath, un Kog'Maw, un Nekarim, un Soraka, une Soraka, une Sona en face, joué par 0-4. Mister Badiai, Ray Blast, Bader Alwsetch et Terad Alwsetch. Donc on suppose que eux sont pré-made. De notre côté, on a Janna, Ezreal, Fiddlesticks et Lux, joué par Mum 47, Black Tiger Soso, Jay Barbossa et Jacko Wacko. Ainsi qu'un Gangplank joué par moi, je suis le seul à avoir un skin de toute la game. Et du coup, je suis le meilleur joueur, tout simplement. Je veux jouer Gangplank parce qu'il nous a pété la gueule la dernière fois, mais j'ai oublié de changer le heal. J'avais choisi un heal parce que je m'étais dit je vais jouer quelqu'un d'autre que Gangplank, mais finalement je joue Gangplank, du coup c'est un peu bête ce que je fais. Je sais qu'en face je crois il y a un plat et des bronzes. Si 004 voulait bien avoir son PC qui chargeait, ce serait magnifique. Plutôt que de jouer sur une baraque à frites. Enfin, c'est pas. On dit pas jouer sur une baraque à frites, mais il joue sur un micro-ondes là, le mec, et c'est légèrement casse-couille. Ça y est, 004 a enfin décidé d'accélérer un peu. Ce qui est toujours apprécié par moi. Enfin, non, pas de manière dégueulasse. J'ai pas dit ça. On va commencer par ça. Et des potions de vie. Ouais. Cette fois, je joue à 30 FPS. Bon, c'est pas 60. Très clairement pas, sinon ça s'appellerait 60. Pourquoi est-ce qu'il reste au niveau de derrière la tour? Je viens de leur montrer qu'il n'y avait rien dans ce bush. Ils sont cons. Voilà. Ça va assez rapidement devenir n'importe quoi. Je vais vérifier un truc dans mes options vidéo. Voilà. Normalement, ça ne devrait rien changer parce que j'étais pas à 80 FPS. Mais bel et bien 30. Du coup, l'amélioration devrait pas se faire ressentir. Enfin, devrait même pas y avoir d'amélioration. On a utilisé le heal parce que le heal a 50 secondes de cooldown. Hein. Hop, faut penser à manger l'orange.
Hop, on se soigne. On essaye de garder notre vie le plus haut possible. J'ai complètement oublié d'utiliser mon orange. Alors avec Gangplank on max les dégâts. J'aurai Gangplank AP, je maxerai les oranges. Mais je ne joue pas Gangplank AP, pas aujourd'hui. Non c'est marrant parce qu'augmenter la possibilité de mon PC d'aller plus vite, enfin d'aller plus haut en FPS, ça réduit. Ça a réduit les FPS auxquels j'arrive. J'étais à 30 constant, puis j'arrive à 22 maintenant. Ok, les mecs nous ont dive comme des malpropres. On va prendre des bots cette fois. Mais flash pour la tuer, putain! Oh le mec il est pas sérieux quoi! Donc bien entendu en deuxième on va maxer le soin. La seule raison pour laquelle le personnage est complètement pété, c'est que le soin va avoir aller de 3 secondes de cooldown. Non mais utilise pas ton ulti sur la wave que je viens de clear. Cette fois, j'ai pensé utiliser mon truc. Mon soin, là. Je pensais utiliser mes oranges quand c'est arrivé. On reste derrière parce qu'ils ont une très bonne compo de siège en fait. Ah merde, je l'ai pas mis assez loin. Moi ça me va s'il se donne comme des chacos. Ça pour essayer de le ralentir, le Karim, mais bon, c'est Karim quoi. Voilà, le mec vient de
me dive sous deux tours. Et il s'en bat les couilles, il est encore full vie. Donc la prochaine fois, hein, vous savez quel personnage je joue. Je jouais Karim, bien entendu. Why no bandon Zoraka et Sona? Je suis italien. J'essaye de comprendre quand il parle en anglais, mais je comprends pas en fait. Mais pourquoi le mec il y va? Pourquoi le mec il y va? Pourquoi le mec il y va? Pourquoi le mec il... Oh, j'ai survécu! Ah oui, restez bien tous ensemble, quoi, histoire que Karim est juste à foncer sur vous, sur un, et il les tue tous. Putain de chiottes! Allez, on va tuer Karim. Ouais, c'est même moi qui ai tué. Je suis trop fort. PGM. Pro gamer. Boum! Allez! On n'est pas si dégueulasse que ça, des fois. Non, mais c'est bon, le mec, on vient de faire un ace, il va check le bush, quoi. Oh, oh, bon gros lag. Tant qu'on peut tout faire de derrière, on fait tout de derrière. Je voudrais voir ce qu'il a comme stuff, le Karim. Ok, il fait du tanking pur et dur, bien de salaud. Voilà, mais du moment qu'on leur fait comprendre qu'en fait on n'a pas peur de... Mais quand même un peu... Tout d'un coup ils font vachement moins peur en fait. Hein. Dès qu'ils ont pas Ikarim, ils sont plus ou moins avec des mecs dégueulasses. Moi j'ai eu l'assist en mode salaud. Ah, le cooldown descend pas avec les niveaux. Il me semblait que le cooldown descendait avec les niveaux, mais apparemment c'est 4 secondes tout le temps. Du coup, la tristesse. Hop, moi je me soigne parce que je peux. Bon, si on continue comme ça à les tuer un par un, en fait, c'est complètement à notre avantage.
Ouais, bon. Dans la théorie, c'est à notre avantage, mais ça marche pas tout le temps, hein. Il va falloir faire masse résiste magie. Parce qu'en fait, c'est complètement ça qui nous tue. Donc on va partir sur une Banshee. Lol. Oh non, mais le mec il a été me tuer quand j'étais dans la fontaine, tu vois. J'ai un petit problème avec mon clavier, mais c'est sur la touche P donc c'est pas grave, ça m'empêche pas de jouer. C'est que quand je vais aller acheter des trucs. Mais comment ça se fait que le mec il tanque aussi bien alors qu'il a que 100 d'armure? Le mec a tanké 2 tours pendant 20 ans. Moi je vous tanque, hein. Ok, non, finalement je vous tanque pas. Mec, il m'a fait 860 points de dégâts avec sa putain de chanson à la con là. Bon bah GG. La prochaine fois je prendrai Ikarim. Hein, c'est officiel. Allez voir parmi mes alliés qui a fait un peu de résistance. Janna, Fiddle, et c'est tout. Donc, à un moment, faut aussi se rendre compte que la résistance, c'est pas si mal que ça. Il y a une raison pour laquelle c'est dans le jeu. Là, Ekarim a respawn, il va être voilà, sur le chemin. Il va tous nous péter la gueule. Pourquoi mon spell est pas parti tout de suite en fait? Je le visais là, de ce côté là de l'écran, puis il est parti là. Comme ça. Ok, non, c'est n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, bon. GG. On a fait une a priori assez mauvaise compo d'équipe. Puis on avait des gens qui savaient pas du tout jouer aussi. Hein. Faut reconnaître ce qui est. Le Fiddlestick à 0-11-4. C'est vraiment dégueulasse comme truc. 0-11-4 quoi. Avec un Fiddlestick, tu mets un ulti, tu fais Zonia, t'as tes 4 assists. Ça veut dire qu'il a fait que ça de la game quoi. Il l'a fait une fois. Il a pas silence, il a pas fait peur. Donc voilà. Par contre, j'ai encore accès au truc des scores, on voit très mal. La Lux a bien joué, la Janna a pas bien joué. Elle a fait un first item Liandry. Ce qui, je pense, est assez bête sur Janna. Mais bon. J'ai pas non plus très bien joué. Faut reconnaître ce qui est. C'est comme ça. On le sait tous. Je suis mauvais à League of Legends. Et j'en suis fier. Donc, moi, je vous dis à dimanche pour un nouvel épisode de la RAM. Peut-être en Urf. Je ne sais pas encore. Ça dépendra. De tout simplement bah de qu'est-ce qui va y avoir, ça va est-ce que dimanche c'est le 13 ou pas. Ouais, des super belles phrases en beau français. Bon, je vous dis à dimanche et voilà. Salut.